En 85, il y a eu un projet qui est sorti pour démolir l'ensemble, quasiment l'ensemble du quartier pour en faire un grand ensemble, un anneau d'immeubles de 6 étages avec attique sur la rue de Montbrillant, la rue des Gards, avec un parking sur 3-4 niveaux sur toute la surface de l'îlot. Donc ce projet, c'était un projet qui avait été fait par la ville et par Guener, qui était un des principaux propriétaires dans l'îlot. Et là-dessus, il y a eu un recours des habitants, et c'est comme ça en fait que les premières occupations se sont faites dans l'îlot.